Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui les gars, je vais vous faire une vidéo sur FIFA et surtout un défi création d'équipe. Donc ça va être le défi gros match. Donc à partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, je pense tous les vendredis après-midi, donc dès qu'ils mettront bien sûr FIFA, les 4 matchs à remplir, bah je vous ferai une vidéo, comme ça vous aurez des idées de joueurs, voilà comment faire les équipes. Donc on va commencer à regarder les 4 gros matchs. Donc pour moi c'est un peu des matchs pétés. Austria face à Rapid, c'est pas un gros match. À part peut-être Liverpool Tottenham, Atlético de Madrid aussi, Celta Vigo qui est pas mal. Donc voilà, on va commencer par Liverpool Tottenham. Donc j'ai déjà tout composé. Les équipes, hein, bien sûr. Donc tous ces joueurs-là, les gars, c'est que des joueurs que j'ai packés. J'ai pratiquement, je crois, acheté aucun joueur pour remplir ces 4 défis-là. Donc voilà, vu que je pack énormément, bah, je garde à chaque fois les joueurs. Et ils servent pour les défis création. Donc là, je vais vous montrer, regardez ce qu'il faut. Donc il faut 4 joueurs, enfin Liverpool, Tottenham, 7 joueurs de première ligue. Donc les joueurs de première ligue, ils ont augmenté un peu. Qualité or, donc que des joueurs or. Joueurs 4 rares, donc il y a les 4 là, il y a lui. Il y a Wanyama, Wig, Gnaldum et Origi au-dessus, collectif 90 et 11 joueurs dans l'équipe. Donc je vais vous dire, voilà tous les joueurs. Enfin, surtout les noms, hein, comme ça, ceux qui veulent faire la même équipe que moi, enfin, je pense qu'elle coûte pas cher. Donc, Manano Cage, ensuite Claude Grasse, ensuite Jaglietka, Wimmer, défenseur central, Taylor à gauche, ensuite Obiang que j'ai mis en MDC, Wanyama. Donc, vous voyez, hein, pratiquement tous les joueurs, les gars, à part peut-être lui que j'ai pris à 400, mais bon, je l'avais déjà dans mon club, donc ça fait quelques temps que je l'ai. Collins, je l'ai mis là, là, premier détenteur, Robertson, Origi, et voilà, hein, voilà, on est jusqu'à Origi. Donc, voilà, les gars, on va valider bien sûr cette équipe-là, mais si vous voulez, les Yena, vous pouvez faire un peu d'achat-vente, les gars, dessus, enfin, ceux qui ont voilà, des joueurs, parce que regardez, ils coûtent plutôt cher, hein, voilà, les joueurs de Liverpool, hein, vu qu'il en faut, et des joueurs de Tottenham, voilà, ils ont un petit peu augmenté le prix. Donc tout ça, bien sûr, gérer les ventes après la vidéo. Mais nous, on va bien sûr soumettre la première équipe. Donc ça va nous faire un pack. Et à la fin de la vidéo, les gars, j'irai ouvrir tous les packs. Ensuite, les gars, ce sera Austria face à Rapid. Donc la même chose, là, je crois que j'ai acheté aucun joueur. Je les avais déjà tous dans mon club. Donc là, regardez, j'ai même mis des bronzes. Vu que de temps en temps, j'ouvrais quelques packs bronzes pour choper quelques formes et tout. Et regardez, là, ça me sert. Donc on va regarder tous les noms des joueurs. Donc Oka, j'ai mis Dovnik. On va regarder comme ça. Je vais pas vous dire à chaque fois les joueurs parce que là-bas ils ont des noms un peu bizarres et des fois j'ai un peu du mal. Voilà, on va mettre la défense sur gauche là. Donc je les ai mis dans l'ordre, hein. Enfin ils sont même pas bien classés. On s'en fiche les gars, on veut juste voilà, avoir que le défi soit validé. Schulz, Ademi et je crois que c'est bon. Là on est là. Il reste lui, Schulz et l'attaquant là-haut. Donc l'attaquant j'ai mis Davou. Voilà, je l'avais déjà dans mon équipe. Donc voilà le défi. Donc on va avoir un pack toujours. Donc c'est pas des packs monstrueux. Après j'irai regarder tous les prix de là, enfin de tous les joueurs que j'ai mis dans réserve parce qu'il y a moyen qu'ils coûtent un petit peu de crédit. Donc là on valide hein, le deuxième. Donc après on ira bien sûr ouvrir les packs. Après je pense pas qu'on va choper du lourd. Mais on sait jamais bien sûr, on sait jamais. Ensuite les gars, ce sera le défi Fribourg contre Cologne. Donc la même chose, regardez. Hein. Voilà, je vais vous dire tous les joueurs. Donc il y a Horn, il y a Fedeski. Djourou derrière, Bissaxix, Russe, il y a Dembélé, voilà que j'avais déjà, en plus que je peux pas vendre, c'est une carte qui est invendable, donc autant le mettre là-dedans, et en plus je joue pas avec, donc il y a Lehmann ensuite, Duplazis et les deux buteurs, Kebling et Werner, voilà j'ai mis cette équipe là, donc il faut 3 joueurs rares, donc j'ai mis lui l'attaquant, Dembélé et le gardien. Voilà, donc j'ai tout bon, hein, bien sûr. Après, vous avez bien pris. Prenez les noms comme moi. Après, j'irai faire un tour pour essayer de revendre voilà, quelques joueurs. Parce que, par exemple, lui, vous voyez, c'est un joueur de Cologne. Et vu qu'il il faut être dans le défi, peut-être qu'il vaut un peu de crédit. Je sais pas, regardez, 1300, 1400. Voilà, je pense qu'il y a moyen de le vendre au moins vers les 1000 crédits. Donc, c'est toujours ça le prix. Donc là, on va soumettre, bien sûr, l'équipe. Donc là, on a un pack argent. Après, les packs argent, des fois, il y a des joueurs qui coûtent super cher grâce aux défis création d'équipe. Donc, on sait jamais. Et le dernier, les gars, ce sera celui de l'Atlético de Madrid. Donc là, en fait, il faut un joueur de l'Atlético de Madrid, un joueur du Celta Vigo et 11 joueurs sur tous les Espagnols. Donc regardez, il n'y a que des joueurs espagnols, bien sûr, de nous ont un petit peu augmenté le prix. Regardez, j'en ai encore plein d'autres, tellement que j'ai paqué. Voilà, j'ai des joueurs au large. Donc toutes ces cartes-là, je vais aller les vendre après parce qu'ils ont augmenté un petit peu en crédit. Tout dépend bien sûr du joueur. Enfin, là, je vais en prendre un au pif Lopez. Regardez, bon, 550, je pense qu'il y a moyen de le vendre au moins vers les 800, que normalement il coûte 350. Donc c'est toujours ça de prix. On va regarder vite fait lui, vu que c'est un or rare. Je ne sais pas y regarder avant. Donc 1300, voilà, on peut toujours gratter un petit peu de crédit. Donc nous, on va aller soumettre l'équipe. Hein, je vais vous montrer rapidement c'est qui. Voilà, on va faire comme ça. Donc je vous prenais les dons, les noms, bien sûr. Laura, Gonzalez, Granero, Johnny, Suarez, Sanjur, Rosé, Bena. Susueta, Yaki Leon voilà le dernier que j'ai mis. Regardez, défenseur central, je l'ai mis en ailier gauche. Après voilà, ça rentre dedans. Bien sûr, j'essaie de mettre les moins chers, enfin les ceux qui ont une plus petite note. Voilà, tout rentre, hein, bien sûr, tout est bon. Donc on va soumettre la dernière équipe. On aura un pack jumbo or. Voilà, ça nous va faire 4 packs. Donc voilà, on a rempli tous nos trucs. Donc là on a la récompense bien sûr du défi gros match. Hein. J'en fais pas souvent, mais là je commence à les faire. Donc on a un pack or rare. Je sais pas si c'est un pack à 25, 50k, je sais pas. Bref, on s'en fout, on va aller l'ouvrir. Donc on revient en arrière, on va aussi prendre notre, comment dire, c'est quoi, voilà, fut champion,
Voilà, comme ça on ouvrira tout. En même temps, ça fera un mini pack opening, bien sûr, on va ouvrir ça. Donc là, je sais même pas, je fais combien de matchs la semaine dernière, je me souviens même pas. Regardez, je suis arrivé bronze 1. Après, les gars, fut champion, je joue quand j'ai le temps. Regardez, fut champion, c'est tout. J'ai dû faire, allez, 5 matchs, je crois, la semaine dernière. Voilà, c'est tout. J'ai pas le temps de jouer tout le week-end, donc voilà. Après, je me qualifie, bien sûr, toutes les semaines. Hein, je fais la compète, je me suis qualifié deux fois. J'ai disputé deux fois la compète en ligne. Je suis allé jusqu'en finale. Les deux fois, j'ai gagné, donc c'est très bien. Donc, nous, on va aller vite fait là, effacer les joueurs. Parce qu'imagine, si on a un doublon, on sera un petit peu dead. Je vais vous montrer rapidement la charvante. Il y en a beaucoup qui me demandent de faire, quand je vais faire une vidéo de la charvante. Déjà, là, je vais en mettre une dans pas longtemps. Une tech surtout petit budget et après je vous montrerai les gars parce que là moi je prends vraiment des crédits hein. Vous connaissez ma tech les gars, regardez les joueurs, je mets à peu près 15 16 000 de plus et ça part hein. Voilà, j'en vends à peu près 6 7 par jour. Voilà, c'est moi, ça me va, je fais pratiquement du 100 000. Regardez, pour aller comparer les prix actuels et les prix que j'ai vendu les cartes hein, c'est énorme. Par exemple Firmino, voilà, lui je le prends, je le mets en BU, je le mets fourchette maxée 10 000 et je descends juste à mettre 9 900. Et regardez, il est parti à 9 900. Donc on efface tout. Hein. Des Lali, je crois que je l'ai chopé 50 000 hier et je l'ai revendu 66 000 aujourd'hui en boost. Voilà, il marche super bien. Voilà, prenez-le en MC, il marche bien. Donc nous, on va l'ouvrir, enfin nos packs. Hein. Donc on a 11 packs à ouvrir. Allez, c'est parti. Donc on a des petits packs. On va ouvrir déjà les plus pétés, voilà, les packs or. Donc je sais pas, je les ai eu où. Bref, on s'en fiche, on va tout surtout garder tout, regardez, comme ça vous n'avez même pas besoin d'acheter les joueurs, bien sûr, quand il y a des défigurations, des machins comme ça. Lui, on va regarder rapidement son prix, on sait jamais hein, voilà, autant regarder. Et regardez, non, 200 en fait, ça vaut rien du tout. On le jette, hein, que ça coûte rien du tout. Allez, les autres. Après, surtout, on aura le pack, enfin le gros pack, le pack or rare. On verra ce qu'on chope dedans. Après, depuis que j'ai chopé mon son, les gars, si vous avez regardé mon ancien pack opening, voilà, je l'ai mis buteur dans mon équipe. Et il faut avouer, les gars, qu'il met pas mal de buts. Hein, il est vraiment très bon, son carte orange. Allez, on ouvre les 12, 10, 1. Voilà, c'est des packs tout pétés. À mon avis, on ne chopera pas des gros petites étoiles. On skip direct. Donc là, ça va être qui? Ça va être Salibour. Ok, ouais, d'accord. On a des soins. Les cartes soins, ça sert toujours. Hein, voilà, comme ça. Hop, lui, on va regarder aussi rapidement son prix. Donc, Trapp, c'est peut-être le cousin à Kevin Trapp, celui du PSG. Ouais, ça coûte 300, ça coûte, allez, je m'en tape. Allez, 300 crédits, regardez, j'ai au moins plus de 250 000 crédits. 300 crédits, hein, on s'en fiche. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, les gars, je vous ai envoyé la vidéo pour les petits, enfin, ceux qui commencent vraiment la charvante, vous ferez exactement comme moi. J'essaierai de la mettre soit dans le week-end ou début de semaine, semaine prochaine. Hop, donc, ok, on a ça ici. Et vous allez voir, vous allez faire exactement comme moi, les gars, vous allez grimper en crête, puis après je vous montrerai vraiment la tech que je fais. On va ouvrir ça, le pack fut champion. Bon, ça c'est le pack, je pense, récompense fut mensuelle. Donc ouais, c'était un genre pété comme d'habitude. Hein. Après, j'ai jamais fini, je crois, le plus de matchs que j'ai fait en fut champion, les gars, en un week-end. Je crois que ça a dû être 13 ou 14 matchs, c'est tout. Voilà, je fais pas plus de matchs, j'ai pas le temps en fait. Quand j'ai le temps, je vois la console, et quand j'ai pas le temps, bah voilà, je fais. Tout dépend en fait. Donc là, il nous reste quelques packs. On va ouvrir lequel moins. Voilà, on va ouvrir déjà le pack premium argent. Hein, parce que voilà, c'est des joueurs un peu pétés dedans. Mais des fois, il y a des joueurs qui coûtent un peu cher, comme je vous ai dit. Hein, quand il y a les défigurations, la casette, voilà, des joueurs de Ligue 1. Par exemple, lui, je sais pas du tout combien ça coûte. On va regarder rapidement. Jerez 900. Bon, c'est pas super. Il y a qui pourrait coûter cher. Peut-être lui. On va regarder vu qu'il est, espagnol. Et maintenant, vu qu'il y a le défi Suarez, vous avez vu, il y en a un 2000. Donc bien sûr, on peut le vendre. Hein, il y en a 2800. Allez, on va tout mettre au club. On s'en fiche. Le reste, de toute façon, on jette, hein, je ne vais même pas les regarder. Et là, on va s'intéresser au plus gros pack, hein, bien sûr. Donc, ces packs-là, on va déjà voir celui-là, pack toujours. Je ne sais pas ce qu'il peut avoir dedans. Petite étoile, comme d'habitude. Donc là, cet MG, ça va être de la merde. Hein. Je ne sais plus comment il s'appelle, en plus, je me souviens. Je sais qu'il joue en Turquie, voilà, c'est Castillo. Voilà, regardez, bon, donc on a du bronze, voilà, c'est ça, pack toujours. Bon, c'est de la, voilà, il faut avouer, c'est de la merde. Hein, puis ces packs-là, hop. Lui, on va regarder rapidement, vu qu'il y a le gros match, il faut des joueurs espagnols. Il y a des 650, allez, on va le mettre directement à 600. À 600, voilà, 700 comme ça, c'est parti. Ça, on le jette. Ensuite, on va l'ouvrir lequel? On va ouvrir, allez, on va ouvrir celui-là. Voilà, le pack horreur après 12-12-12. Donc là, rien du tout. Ce serait bien qu'on chope encore, voilà, un gros joueur, hein, parce qu'on peut choper encore du lourd, hein, bien sûr. Donc là, on a pas mal de formes. C'est bien les formes, moi, je prends tout. Hein, les formes. Après, ça a vachement descendu, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on va ouvrir? On va ouvrir le pack, allez, 12-10-3. Qu'est-ce qu'il y aura? Petite étoile, on skip direct. Hein. Voilà, quand c'est petite étoile, hein, de toute façon, ça coûte rien du tout. Ok, je regarde après. On a 1000 crédits.
toujours ça, hein, bien sûr. Plus le défi gros match, je sais pas si vous avez vu, vous êtes remboursé au moins déjà de 2500 crédits. Donc, c'est toujours ça, voilà. Toujours ça, bien sûr, de prix. Donc là, il nous reste ces trois packs là. On va ouvrir celui-là et on finira par le pack rare. Donc là, petite étoile, dommage, hein, on aurait pu choper bien sûr un OTW. Donc ça sera Carrasco. En plus, qui s'est embrouillé, je crois, avec Diego Simeone, l'entraîneur, bien sûr, de l'Atlético de Madrid. Donc là, on a pas mal de joueurs. Allez. On jette ça, juste ça, on va regarder. Lui joue en, non, il joue en D1 russe. Je vais regarder rapidement, vite fait. Lui, s'il coûte un peu de crédit en D1 russe, pas du tout. Parce que je sais qu'il y avait un défi création pour un joueur russe, je sais plus c'est lequel. Hop, on jette. Allez, on va ouvrir les deux derniers. On va commencer. C'est quoi ça? Il y a des consommables. Bon, on va ouvrir celui-là. S'il y a des consommables dedans, c'est que c'est pas un pack à 50k. Parce que j'arrive jamais à savoir c'est lesquels. Donc, petite étoile MDC Girondin. Donc, ça sera tout la langue. Une note quand même de 83. Hein. Vraiment, une plus grosse note que N'Golo Kanté. C'est vraiment c'est incroyable. Allez, on garde tout. Donc, la pack de merde. Et on va finir par le dernier pack. Donc, le pack Jumbo Or. Donc là, on n'aura pas eu beaucoup de chance, mais bon, voilà, c'était surtout une vidéo pour vous montrer, les gars, les gros matchs, voilà, quel joueur il fallait mettre, bien sûr, dans vos équipes pour déclencher, voilà, enfin, pour avoir tous les packs. Donc voilà, les gars, la fin du pack opening, plus, voilà, tous les consommables, bien sûr que je garderai pour faire de l'air, et moi, ça me va plus, regardez, 1000 crédits de prix, donc c'est toujours ça de prix. Donc voilà, les gars, la fin de, on peut se dire, de cette défi création d'équipe. Donc si vous voulez que je refasse pratiquement tous les vendredis une vidéo, voilà, en début d'après-midi, mettez-moi un like et je vous le ferai. Allez, moi, je vous laisse à la prochaine, ciao tous. Marche, donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Ego, son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.